la vache, ils ont coupé l'électricité. Ennemi à terre. Il tente de repartir. Le suspect sort du véhicule. Police, arrêtez-vous. Police, arrêtez-vous. Suspect, le suspect, une arme, le suspect, une arme. À couvert. On a besoin de renfort immédiatement sur position. Coup de feu sur officier, coup de feu sur officier. Et salut à tous, c'est Jesus. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur LSPDFR avec la gendarmerie pour aujourd'hui. Donc bon, j'ai pas vraiment le skin gendarmerie, mais étant donné que je suis aussi police de l'autoroute, qu'on va être équipé de cette belle Nissan GTR, j'ai donc décidé de prendre un skin de la police de l'autoroute. Donc on va voir cette Nissan GTR, ma foi, fort sympathique pour cet épisode. Et peut-être qu'on aura aussi, tout dépend si le central arrive à le débloquer les fonds, une Ford Focus Sport pour la fin de cet épisode. Donc nous, on va commencer par activer le radar. Voilà. Qui a un peu bugué puisqu'il est doublé. On va baisser la limitation. Alors on sait qu'on va tester d'abord la limitation des gens en face. 60, 95. 46, ça c'est un camion. De toute façon, on va... Oula ! Attention all units, we have an assault on a civilian in Chumash. Messieurs gendarmerie, arrêtez de vous battre s'il vous plaît. Arrêtez de vous battre immédiatement. Je vais taser celui-là. Toi, mettez-vous au sol, monsieur. Monsieur, doucement, mettez-vous au sol. On va arrêter ces deux messieurs qui se battaient visiblement en plein milieu de l'autoroute. Enfin, pas de l'autoroute, mais de la voie rapide, ce qui est assez dangereux. Voilà, alors messieurs, vous allez me suivre. Oh mon dieu! Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est parfait. Non, 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 tu t'arrêtes! Vous me suivez, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, vous vous mettez à genoux, s'il vous plaît, messieurs. Tous les deux. Vous aussi, monsieur. Merci. Hop, on va monter dans le véhicule, vite. Et on coupe la sirène. Le radar aussi, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on se met ici, voilà. Alors on va faire les tests habituels, j'ai envie de dire, sur ces deux messieurs. Qui sont normalement, si je me trompe pas trop, l'alcool. Sûrement je vais faire la drogue aussi, je vais les fouiller pour savoir s'ils n'ont rien de dangereux sur eux. Histoire que on soit sûr. Alors je m'attendais pas à ça. Alors lui, il est pas positif. Mais il a quand même bu un peu. Et vous? Parce qu'à la limite c'est 0,05. Faudrait que j'arrive à mettre les limitations françaises. Faudrait que j'aille voir dans les options. Ah oui, quand même! Elle a raté. Le mec, il a raté le. Il n'y arrive pas. Il doit être bien beurré. Voir. Ah ouais, il y arrive carrément pas. Donc lui, il doit être bien beurré et lui un peu. Donc on va fouiller ces deux personnes. On va voir si ces deux personnes ont des quelque chose sur eux. Non, une photo, une caméra et un téléphone. Calme-toi, calme-toi. Et la même chose. Ok, central, j'aurais besoin d'informations sur un certain James Suarez, s'il vous plaît. Il n'est pas recherché. Ainsi que sur un certain John Bunnell.
Ok, donc ils sont pas recherchés. Je vais quand même demander un transport. Central, j'aurais besoin d'un transport de prisonniers sur position pour deux personnes qui se battaient sur l'autoroute. Oh, c'est carrément la gendarmerie qui vient, c'est parfait. Ok. Alors moi, je vais remonter dans mon véhicule. Un petit Volvo des familles. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais le tour. Toi. Je vais rester en code 2 pour l'instant, pour empêcher le camion de passer. Quand même, un transfert de prisonniers. On met des bouchons un peu, mais... On sait jamais. Je vais aller voir cette voiture là-bas qui est arrêtée sur le bas-côté. On va rester en code 2. Ok, on y va. Alors, on va rester en code 2. Je vois qu'il y a une voiture qui est arrêtée sur le bas-côté de la route ici. On va la contrôler. Elle a l'air d'être en panne. Merci. Voilà. Alors. Bonjour monsieur, aurez-vous un problème? Ok. On va essayer. Je vais essayer de vous aider, monsieur. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir s'il y a quelque chose. Ah, la vache, le moteur il fume bien. Ah ouais, voilà, c'est bien ce que c'est bien ce dont je me doutais. Ok. Donc on va appeler Centrale, j'aurais besoin d'un d'une dépanneuse sur position pour un véhicule qui est hors d'état de conduire. Ok, merci. Alors lui, on va essayer de lui appeler un taxi. Le truc, c'est que j'aimerais bien me souvenir de la touche. C'est surtout ça. Alors. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, il veut... Bon. Oui. Ok. Bombe. D'accord. D'accord. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en aille comme ça en mode random. En mode j'en ai rien à faire en fait, c'est surtout ça. Ok, central, j'ai un excès de vitesse sur Great Ocean Highway. Je pars en intervention. Alors, il me semble que c'était la moto. Voilà, ici, la moto là. Putain, mais. Ok, central, j'ai une tentative de fuite. Je demande un support aérien, s'il vous plaît, sur place. Ok, donc on a un fuyard. On va tenter de l'arrêter. Alors, le problème, c'est qu'il est en moto, donc il va falloir réussir. Oula! Il va falloir réussir à l'arrêter sans le tuer. Ça va être une bonne question. Alors on va appeler des State Patrol, vu qu'il est en moto, ça devrait pas déranger. State Patrol, ce sont des mecs qui sont en moto. Gendarmerie, arrêtez le véhicule! Arrêtez votre véhicule, monsieur! Descendez, descendez de votre moto! Descendez! Non, 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 pète pas un plomb, toi. Putain, les PNJ dans ce jeu. Vivement qu'il y a un script qui les modifie un peu. Ok. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais très bien, dispatch. Monsieur, vous mettez à genoux, s'il vous plaît. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la sirène. On va se garer là. C'est pas ce que je voulais faire. Coupe la sirène. Voilà. Ok, et on va déplacer la moto, écoutez, parce que mon collègue a l'air de. A l'air d'être parti. Dispatch, j'aurais besoin d'une dépanneuse pour le véhicule d'un collègue qui l'a laissé sur place.
Hein? Merde, j'ai accepté une... Attendez. Hop, pour annuler le code là que j'ai. Je peux pas partir en intervention maintenant. J'aurais également besoin d'une dépanneuse pour pour une moto. La moto du suspect. Ok, merci, dispatch. On va fouiller le monsieur ici. Oui, je te fouille. Ok, et on va lui faire un petit test de d'alcoolémie. Parce que, bon, je vois pas pourquoi il a fui. Il avait fait un excès de vitesse, de toute façon. Le problème, c'est qu'en fuyant comme ça, il se fait automatiquement arrêter. Ouh, il est positif! Ok, Central, j'aurais besoin d'un transport pour un suspect qui a effectué un excès de vitesse sous l'emprise d'alcool. Ok. Il devrait arriver d'ici peu. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a un camion qui s'est arrêté, mais qui veut pas le laisser passer le transport. C'est un peu. Ils sont. Les IA, des fois, ils sont vraiment un peu cons. Salut, collègue. Et moi, je vais pouvoir repartir. C'est parfait! Petite intervention, ma foi, fort sympathique. on va voir ce que le jeu nous propose. Tiens. Alors, je sais pas où c'est. Ok, dispatch, je prends 10-4. Et on part en code 2. C'est pas trop loin de toute façon. Ok. Alors, je vous rappelle que les codes. Les backups comme ça peuvent vite partir en live. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre devant le véhicule. Voilà. Devant le véhicule suspect. Et on va se garer comme ça. Bon, pas trop près quand même. Bonjour monsieur. Alors collègue, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Ok, donc merde. Voilà. Voilà. Hop. Non, 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 descends, descends. Ok. 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 Donc apparemment, il est sous l'emprise d'alcool. Le problème, c'est que mon collègue n'a pas son test d'alcoolémie sur lui. Bonjour monsieur, on va faire un test d'alcoolémie. Soufflez dans ce ballon, s'il vous plaît. Comme il l'a pas sur lui, c'est moi qui vais le faire si jamais il est positif. Et il est positif. Donc monsieur, je vais vous demander de descendre. Je vais... Oula! Carrément dans le véhicule. C'est quoi ce merdier? What the fuck? Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Merci collègue, tu peux partir. On va fouiller son véhicule. Le problème, c'est que ça, c'est devenu mon véhicule parce que je suis monté dedans. Alors... j'aimerais bien savoir ce que c'est un wire cutter. Non, c'est lui que je suis. Non, pas le véhicule. Non, mais pourquoi tu montes dedans? Moi, je veux fouiller le mec. Voilà. Voilà. Ok, juste le téléphone. Ok, Central, j'aurais besoin d'un transport de prisonniers sur place, s'il vous plaît. Ainsi que d'une dépanneuse pour récupérer le véhicule du suspect. Allez, avance-toi. Monsieur, avancez, s'il vous plaît. Ok, moi je remonte dans mon véhicule. Allez, passe. Il va où, lui?
Attention unit 1, Lincoln 18. Okay. We've got a robbery in Benham County. Ah bah dis donc, c'est qu'on a du taf aujourd'hui. Ok central, je me dirige sur place. Ah, j'ai le gyro central qui marche plus. Tout à l'heure il marchait, bon. Pas grave. Je me rends sur place central. Donc apparemment on a un vol dans un magasin. Ouh, je serais même à me dire que c'est un casse à la flic à banque là. Non, c'est un vol dans un magasin. Oh putain, la moto! J'avais pas vu. Désolé monsieur. Merde, j'ai le mec qui veut m'agresser. Non, c'est bon. On va essayer d'appréhender le suspect. Gendarmerie, posez votre arme! Posez votre arme! Monsieur, rendez-vous! Monsieur, rendez-vous! Coup de feu sur officier, coup de feu sur officier, je répète, coup de feu sur officier. J'aurais besoin de renfort immédiatement sur position, s'il vous plaît. Monsieur, sortez du magasin! Non, il tire sur le civil! Suspect à terre, suspect à terre! Je répète, suspect à terre. Je récupère son arme. Central, on a un civil à terre, j'aurais besoin d'une UMS sur place. Oh putain, 2000 mètres! Oh. 3 km, l'ambulance avait 3 plombes à arriver. Central, j'aurais besoin également de coroner sur place afin de récupérer le corps du suspect. Code 4. Intervention terminée. Quel carnage. On va annuler l'ambulance. Merde. Non, comment on fait pour annuler l'ambulance déjà? Comme ça, voilà, c'est ça. J'annule l'ambulance parce que là, ça sert à rien. Elle va mettre 3 plombes à arriver. 3 km, le mec, il est mort, il est mort. Putain, on va le titre pour tout plus. Donc... bah écoutez, on va passer en code 2. Et on va attendre que... non, on va passer en code 0 parce que sinon tous les gens vont s'arrêter. Allez monsieur, vous pouvez redémarrer. J'attends juste que les coronaires aient fini leur taf. Ok, bah c'est bon. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a criminal resisting arrest in Raton Canyon. 10-4 central, je pars en intervention. Code 3. Donc on a apparemment un suspect qui refuse, qui a fait un excès de vitesse et qui refuse de s'arrêter. Donc on va essayer de rejoindre l'intervention assez vite. Il a l'air d'être très rapide. Il a l'air d'avoir semé mon collègue qui est juste là. Normalement avec une GTR je devrais pouvoir le rattraper assez rapidement. Central, ah, je peux pas encore. C'est tant que j'ai pas rejoint l'intervention. Oh, oh la vache! Ah, il s'est envolé le collègue. Il a voulu éviter une voiture, il s'est envolé. D'ailleurs, je crois qu'il a laissé tomber l'intervention là. Oula, moi je fais des conneries aussi. Conneries qu'on rappelle. Apparemment, c'est une moto, donc je vais essayer de choper assez rapidement. Alors c'est dommage que le gyro ne me fonctionne plus. C'est bizarre. Central, j'arrive à Paletto B. Le suspect toujours à fond et refuse de s'arrêter. Et j'arrive près du suspect. J'ai un visuel sur le suspect. Central, j'aurais besoin d'un support aérien immédiatement, s'il vous plaît, ainsi que de patrouille de l'autoroute, s'il vous plaît. Monsieur gendarmerie, arrêtez-vous! Monsieur, arrêtez-vous! Ok, le suspect refuse toujours de s'arrêter.
Je vais essayer d'éviter d'être à contresens. Monsieur, gendarmerie, arrêtez-vous. Je vais me voir dans l'obligation de vous heurter. Ok, central. Je demande une information sur la plaque suivante. 2, 8, Victor... Merde, comment j'ai oublié. November, c'est ça, c'est November. Sierra 487. Oh putain, un civil. Ok, il est pas recherché et la plaque appartient à Damien Lavrinenko. Salut collègue. Oh, des civils. Des qu'on appelle ça, des banalisés. Une petite Kyo 4. Centrale, j'aurais besoin. Oh, la vache. Dire qu'ils avaient, ils m'avaient demandé de pas l'abîmer, le central. C'est ça. Merde, putain, en plus je fais. Non, pas celle-là, je m'en fous. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. J'essaie de récupérer l'intervention. Oh, mais je suis tombé sur un véhicule qui avait une licence expirée. Ouais, je suis désolé, mais je suis sur une course poursuite. Ok, central, j'aurais besoin de savoir si j'ai le droit de heurter le suspect. Bien reçu, central, 10-4. Monsieur, arrêtez-vous, sinon je vais être dans l'obligation de vous heurter. Ok, on a un collègue qui vient de rejoindre l'intervention. Monsieur gendarmerie, arrêtez-vous! Arrêtez-vous immédiatement! Ah, j'ai tenté de faire un arrêt. Ah, c'est un peu le bordel. Je vais juste couper ma sirène parce que c'est un peu le bordel avec les sirènes des autres. Putain, j'ai l'hélicoptère qui fait n'importe quoi, regardez ça. Monsieur gendarmerie, arrêtez le véhicule! Arrêtez le véhicule! Oh putain! Oh! Le suspect tente de s'enfuir! Le suspect tente de s'enfuir! On va prendre le taser, hein. Ça me paraît être plus. Monsieur! Mets en l'air! Mets en l'air! Mais couchez-vous sur le sol immédiatement! Ok, central, suspect arrêté! Ok, j'aurais besoin d'un transport immédiatement pour le prisonnier, s'il vous plaît. Juste couper ma sirène parce que c'est un merdier, pas possible. Hop, voilà. Du coup, la moto, elle est partie où? J'attends qu'elle ait récupéré le... que celle-là, elle ait récupéré le suspect. Wow, 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 qu'est-ce que vous faites, là? Calmez-vous! Ok. On va remonter dans le véhicule et je vais essayer de retrouver le. On va couper le radar. De retrouver le véhicule. Hop, on va le mettre là. Parce que mine de rien, il avait quand même un véhicule. Le problème, c'est qu'à la vitesse où je l'ai heurté, le véhicule a dû partir. Genre méga loin. S'il faut, il a carrément despawn. Je pense qu'il a despawn. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je vais récupérer un nouveau véhicule parce qu'il est dans un état pitoyable. Central, j'aurais besoin d'informations sur une plaque, la plaque suivante, s'il vous plaît. 03 Hôtel Yankee Lima 062. Okay. Alors, il semblerait qu'il soit la personne de ce véhicule soit recherchée pour un véhicule non enregistré. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une dépanneuse. Central, j'aurais besoin d'une dépanneuse sur ma position, s'il vous plaît. J'ai trouvé un véhicule qui était recherché par la police.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va en profiter pour aller checker ce véhicule-là. Est-ce qu'il va le récupérer? C'est bon. Centrale, j'aurais également besoin d'informations sur la plaque suivante. 8, 9, Juliette, Juliette, Oscar, 5, 8, 9. Ah! Véhicule également recherché par la police. Donc on va demander un transport pour récupérer ce véhicule pour la fourrière. Et on est bon. Ok, donc là on est bon pour ces deux véhicules qui devraient être... Il se passe quoi là-bas? Attendez. Pourquoi il y a des gens au milieu de la route? Je vais voir ce qui se passe. Oh là là! Centrale, des coups de feu! On a des coups de feu sur... Merde, putain. Coup de feu sur 6 îles! J'essaie de l'arrêter. En sachant que c'est dangereux. Arrêtez-vous! Posez votre arme! Ok, centrale. Situation calmée. Je répète, situation calmée. Waouh. J'aurais besoin de la police scientifique, s'il vous plaît, sur ma position. Voilà, on va barrer la route. Alors, il me semble que c'est ça. Voilà. Tu peux lâcher ton arme. Non, il veut pas lâcher son arme. Bon, c'est pas grave. Non, je veux pas mettre des cônes. Voilà. Hop, on va mettre une barrière là. Voilà. Pour obliger les... Non, 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 non. Ouais. Voilà. Pour obliger les... les gens à contourner. Ah, bah, ils ont déjà fini. Alors, on va bah, refaire ça. Il faut que j'aille récupérer mon véhicule. Merde. On va y arriver. Poussez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et toi, tu penses pas que t'aurais pu m'aider, toi? Tu fous rien là-bas. Bon là là, mais regardez-moi ça. Le collègue qui fout strictement rien. En plus, il a un bug de texture. Bon, on est reparti. Non. Non. Moi, je suis la police de l'autoroute. Donc, non. Je ne fais pas les démonstrations. Désolé. Attention unit 1, Lincoln 14. Citizens report a driver under the influence and Braddock pass. Ok, centrale 10-4. Je m'occupe, je pars en code 2. Alors, on va essayer de se mettre de l'autre côté. Le problème, c'est que c'est hyper dangereux là. Comment je roule? Ouais, voilà. Ici, on va passer en code 0. Oh là là, putain! Et en plus, il a l'air beurré, quoi. Il s'arrête pas, regardez. Gendarmerie, arrêtez-vous! On va se mettre là. Hop. Suis-moi. Est-ce qu'il va me suivre correctement? Oui, c'est bon. On va couper la sirène. On va passer en code 2, parce que là... Regardez, je vais m'arranger pour pas qu'il puisse vraiment fuir. Voilà, on va se mettre là. Ok. Range ça, s'il te plaît. Ok, centrale, j'ai... Non, mais c'est bon. Un suspect en tentative de fuite que je viens d'arrêter. Mets en l'air et mettez-vous sur le sol immédiatement, monsieur. Sur le sol. Voilà.
Bah écoutez, cette intervention a été plutôt bien rodée. Je vais vous demander de vous mettre en genoux, s'il vous plaît, monsieur. Alors, vu que il était censé être sous l'emprise d'alcool, on va lui faire un petit test. Pour voir si. Non, c'était pas ça. Voilà. Pour voir si il était au-dessus. Alors, je suppose. Mais. Ah ouais, mais alors là, je peux pas répondre en plus. Ouais, bon. Centrale, j'aurais besoin d'un transport sur position, s'il vous plaît. On va en profiter pour chercher par où il passe. Ah non, mais alors là, mon pote, tu vas pas avancer là. Faune. Alors, on va fouiller lui. J'ai trouvé deux téléphones. Ok, donc il avait rien de suspect sur lui à part le fait qu'il était drogué. Tu sais que. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon. Je voulais pousser le 4x4 en fait. Donc, ce qu'on va faire. Je vais pousser le 4x4. On va le mettre là. Bon, vous savez quoi, je vais vous épargner ça parce que. Ils sont un peu teubés là. Oh! Tu l'as pété le poteau, ça sert à rien, t'avances un peu plus! Bon. J'en demande un autre parce que il est bugué. Est-ce que si je le déplace. Voilà! Ah, mais dis donc! Qu'est-ce qu'il faut pas faire?